Eh, hey, je sais pas si vous vous rendez compte, la taille moyenne du pénis en érection aurait augmenté de 25% en seulement 3 décennies. Et c'est une étude qui a été faite sur 55 761 pénis, hein, quand même. Hein. C'est pas de la rigolade. C'est génial. Par contre, la testostérone, la libido et le nombre de spermatozoïdes, là, c'est en baisse totale. Et du coup, ça fait penser que dans l'avenir, on va se retrouver avec un énorme truc qui va plus servir à grand-chose. Si, éventuellement, de porte-drapeau, manche de pioche, ou alors mettre des paraboles dessus, des antennes, vous voyez, pour mieux capter la 5G à la maison. Ou alors pour mieux nettoyer les vitres, en hauteur, ou repeindre le plafond. Ben quoi, j'essaye de trouver une utilité pour la chose, hein, vous êtes marrant. Hein. Ça va être plutôt encombrant qu'autre chose, hein, cette histoire.